que la police gagne contrôle grecier, hein? Est-ce que gagne opération qui mène pour croiser bandits, permettre que yo déloger dans commune là. N'a pas demandé ça avec porte-parole Langari de Rosé. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbe FM. Bonjour Johnny, c'est-à-dire bonjour à Johnny, bonjour à l'auditeur du Christ, Radio Caraïbe. Oui, jusqu'à présent, qui ça la police est capable de dire qui par rapport à attaque qui fait contre commissariat Grecien, est-ce que il y a un policier qui blessé, qui ça bilan et en termes d'opération qui ça nous capable révéler. Alors, pratiquement un développement et actualité hein, et pas de 21 et presque ou faire mon bilan même partiel de ça et l'a dit que pourquoi parler. On a pu la parler justement. Nous sommes entrés en contact avec des responsables de côté que dans l'espace dans le commissariat et policiers qui étaient venus. Et faut-il pas au prince également, dans le et au plus moment au niveau commissariat et Christian également, et qui a intensifié partout, ils ont demandé de partir et dans le commissariat. Mais l'important pour dire que nous avons fait justement une réponse à. Et qui te dit si ce n'est pas tant de nous-mêmes et au niveau de la police, nous dit d'abord satisfaction, pas pour oublier avant tout, c'est pour la population parce que tout autant que nous avons gagné vidéo et calme, parce que c'est la population hein, et c'est tout pas pour et c'est là justement à travers et satisfaction population, nous avons rejoindre nous-mêmes satisfaction au niveau de l'institution. Et n'a dit que pour faire entrer au niveau grecier et te gagner des barricades qui étaient légères et des bandits qui étaient météo, au niveau et qui sont en direction de l'unité qui t'a entré. Mais heureusement, l'unité a été postée et nous avons justement une école passe et commissariat. Mais ce n'est pas simplement parce que commissariat qui est intéressé, non, simplement, mais. Et c'est sécurisation et monde visible qu'à vivre au niveau des communes grecières. Et gagner ITAG, gagner UMO, gagner SWAT, et également avec les applicatifs qui travaillent dans un SAO qui est pour le moment pendant un volant. Et gagner au calme. Alors, dans le gaz à peau, au niveau de la police, les situations côté pas gagné de bagages qui nous ont dit sont calmes à part. Pour le moment, nous avons dit qu'on calme à part. Hein. Et alors, tout, aux alentours du commissariat et maintenant la paix, à savoir opération. Et dès que gagné, nous avons dit qu'il a bien des informations qui probablement capables de rejoindre nous et de pas continuer à des opérations. Et, probablement, et à savoir des forces qui ne peuvent pas prendre. Demain, et nous dit que nous là, et encore une fois, nous appelons Radio Caraïbe pour que nous demandions à la population et personnes qui vivent au niveau progressif pour que la méfaute pour porter tout ça au terme de collaboration avec la police, également avec l'unité spécialisée et qui est au niveau. Allô? La police, il y a une opération la mener ou bien tout simplement nous prenons contrôle bâtiment. Alors c'est pas simplement, je nous dis, alors nous dit dans notre c'est pas simplement contrôle bâtiment et que la police est même visée, et d'abord permettre que le calme soit revenu dans zone ça et panique qui était créée hein, pour la population, et même plus ou moins au fur et à mesure pour que les capables les mêmes et calme la carte pour capable tenir une activité libre. Présent justement, ils ont une petite spécialisée, pas simplement pour espace commissariat, pour bâtiment, mais c'est pour population d'abord. Ok, donc on dit qu'on calme apparent dans la commune Grecier pour le moment, mais pas gagné policier qui était blessé pendant l'attaque, ça non?
Alors, nous parlons la première mesure, parce que ça a été à chaud, c'est arrivé justement, venir en fort avec d'abord venir dans l'espace là et permettre que la population lui-même capable de représenter la police, et, mais gagner et un bilan partiel que nous allons laisser un peu plus tard, et laisser la première mesure pour que nous capables de parler de matériel, mais nous connaissons que mon véhicule qui est incendié, gagner quelques espaces niveau et commissariat tout de même qui nous gagner qui noir, ça veut dire les flammes ou bien du feu et qui prennent l'espace là. Là, il y a là vraiment notre travail de réparation et de manière pour que le policier administratif qui a fonctionné devant un policier qui a fonctionné au niveau du commissariat pour retourner et venir dans service avec la population. Papa, il y a quelqu'un qui plaignait et qui dit que pour qui ça, au commandement n'a pas renforcé, alors s'il n'a pas renforcé présence dans on sait de commissariat pour Gressier, Léogane par exemple, qui sous trajectoire groupe bandit sa yo qui ont même marché pour un territoire là. Donc ils ont estimé que pas de gagner prévention qui était faite dans le cas là. Qu'on fait de efforts que la police en fait, et pas simplement même qui dit en pile monde dans la presse dit en pile monde tout la population dit apprécier on dit effort et nous même nous dit si j'y fais parce que ça crée pour nous faire vraiment grand en pile et pour contre nous ne pas qu'à faire des et ça fait que à chaque fois qu'il y a possibilité pour que nous parler avec la presse pour que nous demander population plus collaboration pour dire je pense capable de nous plier pour un jour capable de nous grand effort et grand effort ces populations justement qui a est capable de profiter de lui-même et à savoir deuxième partie question hein, et ça ni toujours en débat, en discussion, en réflexion au niveau et au commandement, côté que souvent que adresser et problème ça et pour que nous capables de moyens, possibilités et autant au niveau logistique et matériel pour que nous capables de reprendre espace aéros, sous commissariat en termes de police, de manière pour que les policiers administratifs soient capables de venir bailler les populations en service normalement et c'est ça et tout le monde a espéré et au fur et à mesure nous arrêter et j'aurais nous fermé ou bien je nous fermé sur ça à situation ça pour que nous capables au fur et à mesure pour que nous capables et reprendre les commissariats qui d'abord endommagé côté que les bandits ont été attaqués et côté que malheureusement nous avons perdu des personnels et policiers. À part ça, nous apprenons que la police doit recevoir quelques matériels, équipements de pays États-Unis ou qui ça y est concerné. Quelle idée, même là, ne pas rentrer dans le détail. Et nous parlons pas sur une liste de ensemble de matériel, mais nous sommes capables de dire oui, on recevoir des matériels de plein de j'ai dit dans ce journal là, et dans le cadre de mission qui vient pour venir, on a dit qu'on préparatif qui est fait, mais qui a fait, ou bien qui au cours, et qui est en cours au niveau direction générale là pour nous recevoir mission et côté que ouais, côté et collaboration avec la police nationale et qui plusieurs séances de travail et qui réalisées, et des documents qui déjà préparés en termes du cadre de légalio et puis des visites qui déjà faites déjà à l'étranger également en Haïti par frère Axel qui a venu en support avec PNH là et mission Sahara qui a venu en support avec la police mais leadership en termes d'orientation de plan d'opération et c'est la police nationale qui a pénéni et au fur et à mesure bon bien que au niveau matériel il y a quelques vidéos qui en circulation sur le réseau mais nous gagnons et tout matériel et pour que nous viennent pour nous recevoir parce que l'État haïtien est déjà décaissé et l'argent et pour acheter blindé et pour le moment il y a un processus pour que nous capables blindé soit capable de venir et en Haïti de manière capable de renforcer capacité opération la police et bien pour le mener un peu partout dans un métropolitain bien sûr avec la collaboration de et population. Oui, et pas de parole, je ne connais pas si je suis capable de poser la dernière question, ça, si vous n'avez pas d'autres questions. Et nous connaissons Gressier lui-même pour entrer dans le sud, sud-est, Grand-Anse, on bon parti dans l'ouest, il faut qu'on passe dans Gressier. Donc ça veut dire que Gressier lui-même, c'est en zone côté que, sous besoin de venir dans la capitale là, ou obligé de passer. Ça veut dire qu'on n'a pas de département lui-même ni relié. Donc, je ne sais pas si je est-ce que nous-mêmes, dans le niveau PNH, nous déjà une stratégie pour nous capables
empêcher bandi examen même arriver plus loin, ça veut dire que quitter Gressier prend Grand-Gouave les organes aller petit Grand-Gouave. Est-ce que nous même nous déjà une stratégie pour empêcher bandi ça prendre zone ça m'a cité là. Très bonne question Adjani. Et tout ça aujourd'hui hein, et même pas de stratégie et déjà et au bon idée justement de travail justement qu'on a habitué à faire et tout ça où j'aime de langue entrer dans aujourd'hui entrer dans quatre stratégies en quatre réflexions de manière pour que nous capables et faire ça pour nous faire et ouais, d'accord que nous pas capables de stratégie là, publiquement mais et nous tenir compte de tout ça et puis au fur et à mesure pour que nous capables j'aime dire pour que nous capables faire et ça pour nous faire comme travail et que nous gagnons en termes de responsabilité en matière de sécurité même là nous pas seul élément en matière de sécurité mais nous c'est un élément qui est assez important mais qui sont sécurité hein, et beaucoup de panneaux nous toujours font un effort pour que nous capables faire et ça pour nous faire bien que il faut l'unir mais considérable de toute façon parce que c'est une contribution de toutes les policiers de tout grade et qui est justement mis ensemble de manière pour que nous capables de travailler en fonction de l'horaire. Alors, on a eu compte de considérations que l'audit a fait. Et ce n'est pas simplement lui-même qui fait des considérations à eux, mais d'autres qui font des considérations à eux, et nous tenons compte de eux, de manière pour que nous sommes capables de faire travail nous, dans le sens à eux, mais on convainc que et lors d'une situation où on fait face à des situations de plusieurs fois et des gangs, et à chaque fois, la situation s'en produit, il m'a demandé un déplacement vraiment de ensemble matériel, ensemble de personnel. Et là, il m'a demandé pratiquement un effectif qui est adéquat de manière pour que nous capables de faire ça à la situation. Mais nous tenons compte de l'ensemble de considération ça et également de critiques tout, que l'auditeur ça a écouté pour que nous capables de porter amélioration. L'autre sujet, c'est dossier aéroport international Toussaint Louverture là, et qui ça qui a fait pour permettre que sécurité établie, tout le monde vrai dans la zone aéroport là, et permettre Volio reprendre Gary. Bon, et nous avons constaté depuis la situation ça a lié, et nous avons fait face avec lui, et il a pris l'effort qu'il fait depuis vous, et de la police nationale au niveau des hospitalisés autour, on a pu et FADH pour que nous capables de mettre une sécurisation espagne à l'opéra. Et pour que l'intention que les bandits qui gagnent pour envahir l'espace-là, qui empêchent ça. Et pour ça, ça va continuer. Et la police tout est renforcée et présence au niveau aéroport. Et gagnent déjà plusieurs vols de la porte de l'avion militaire qui venait. Et la procédure est tout de transport de un qui diminue sur l'important. Et ça veut dire que c'est des cibles justement que l'on est capable de tourner normalement à bassin. Et encore une fois, et nous encore compter en collaboration et tout monde qui est concerné dans la question publique, la sécurité, de manière pour qu'ensemble on est capable de mettre, mais à la fin pour que nous capables. L'aéroport est capable de continuer et capable de fonctionner normalement, mais nous encore toujours présents et avec soit avec le CAB et également au niveau du commissariat de l'aéroport qui déploie un effort vraiment considérable avec police pour que nous capables toujours être présents au niveau aéroport. Porte-parole, nous remarquons depuis 29 février, bandi examen pas suspend fait parler de dans capitale là et surtout yo continue à prendre des territoires. Donc nous remarquons pas plus tard qu'hier comment ça était dans Kafou et gen quelques zones toujours et donc bandi yo toujours étalé zamyo donc comme ça doit. Est-ce que nous même dans niveau PNH ta nous gen un bilan de depuis le donc gang yo continuer à faire parler de. Est-ce que nous même dans PNH nous avons un bilan que la police a même mis en main, côté que gagne des bandits et qui mourent, des territoires qui étaient perdus, que la police a même mis récupérés. Et probablement ça a capable de faire un petit peu de fou parce que nous avons déjà présenté déjà l'ensemble des bilans partiels et de et ça que nous menons en termes d'opération depuis le commencement événement malheureux ça et nous faisons déjà avec nous partager avec la presse probablement et ça peut-être pas être capable de nous compter ça mais nous avons laissé déjà bilan mais quel document pendant même pas cadeau pour me porter justement réponse exactement ou même pour me dire exactement l'équipe de la partielle, mais pendant
deux à trois fois pour faire un bilan et partiel de l'ensemble d'opérations que nous avons arrivé à mener, même pas les citer et en mémoire, bien de mémoire de combattants, mais parce que dans le prochain et rencontrons bien dans le prochain et point de presse, nous avons mesure qu'on a la bonne d'affaire bilan, on dit un petit peu global de situation là où même on va pas arriver informé. Donc, Pat Paul, je me pose une dernière question, ça ne va pas connaître si Gary a gagné l'autre. Nous, on voit que PNH a fait un peu fort, effectivement, pour être capable, ouais, comment être capable d'empêcher les bandits à examiner eux-mêmes, de continuer à faire parler de eux, malgré la situation, eux-mêmes. Donc, nous avons connaît, ou bien la population haïtienne, nous avons connaît qui ça qui empêchait nous-mêmes, dans le niveau PNH, là, nous récupérer donc des séries de postes qui étaient abandonnés jusqu'à présent. Par exemple, nous sommes capables de prendre Douyeur, nous sommes capables de prendre Portail-Léogane, nous sommes capables de prendre paquet d'autres postes police, bandits ont été attaqués, soit détruits. Donc, jusqu'à présent, pas gagné aucun effort qui fait pour la police, là, lui-même, retourner la donne. Qui ça qui empêchait le phénomène ça? Et tout d'abord, j'ai une petite question à apprécier. Le mariage PNH ensemble avec FADH qui était déployé pour empêcher les examens même été donc rivé sous palais national. Est-ce que mon Grèce est capable donc joindre un mariage comme ça, mettre attendre avec un mariage comme ça, côté que l'armée a pour le mettre ensemble avec la police là pour empêcher qu'il était bandit au rivé plus loin. Nous mettre attendre avec un mariage comme ça. C'est deux institutions et c'est une lié, ils ont ce qu'on se dit, les forces armées évidemment, et les forces de police et qui sur le terrain et qui gagnent pour faire face à des responsabilités pour collaboration côté et dès que nécessaire mais et dès que ça nécessaire et ça toujours fait et on connaît tout que disons, et travail, sa collaboration, sa fête, et pour fête, il dépend de l'autorité et politique humaine au niveau de la PNH, c'est déjà, au niveau de l'aéroport, c'est déjà en consigne, les gens disent, et c'est, nous espérons tout que la collaboration va continuer de manière pour que ces populations, justement, qui vont profiter. Merci un peu, le porte-parole. Bon, je vous remercie. Voilà, Gary Deos, le porte-parole, PNH. Je dis à la. Un fait certain, c'est que Grissier, bandit arrivé entrer là-dedans. Est-ce qu'il a toujours été là-dedans? Nous, par contre, qui sa dernière nouvelle, est, sinon, nous espérons parler avec des officiels au niveau de la police nationale d'Haïti matin, hein, qui pour expliquer nous, est-ce que la police est juste paraît au niveau de commissariat crité, reste commissariat crité, ils font photo, ils aller, ou bien est-ce que la police lui-même est toujours présent au niveau de la commune et continuer et bataille pour empêcher rêve bandi ou même réaliser qui se prend contrôle Grissier définitivement dans tout compartiment. Ou t'as parlé ou t'as oui, oui, non, alors t'as dit que effectivement je veux dire sont partis dans le commissariat qui boulait parce que j'ai l'impression leur t'es metté du feu dans la machine dans les boulots partis et gagné. Et des citoyens moi qui t'a dit que c'est vrai policier dans le commissariat mais il y a de l'autre zone qui toujours été et qui toujours dans la commune Grissier qui toujours gagne bandit. Donc ça veut dire non pas qu'on est-ce qu'on opération vraiment qui menait pour chasser bandit. C'est question ça a posé toute commune là ou bien est-ce que c'est dans l'espace commissariat et policier retrouvé yo. Et c'est ça que fait moi-même moi remettre en question et question prend contrôle là ou bien reprendre contrôle là parce que si bandit fin crasé, fin brisé, yo boule, yo aller guerrier. Et puis la police vient paraître après. On croit pas gain de quoi là pour ta gain frapper l'estomac. Maintenant, si la police intervenue, li mener des opérations ou bien mener yon opération qui quand même abouti à permettre que reprenne contrôle infrastructure policière ça, c'est à féliciter. C'est à encourager. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Parce que bandits n'ont pas gagné seulement commissariat comme cible. Ils ont allé plusieurs l'autre côté en agresser. Donc, est-ce que la police est capable de dire que les décennies sont satisfaits? Parce que tout simplement, ils arrivent à investir ou bien investir à nouveau local commissariat. Ou bien la police dit qu'il y a bataille jusqu'à ce que bandits ont même changé de fusil aux épaules, ils ravisé, ils ont fait battre. Est-ce que c'est le cas? Peut-être que c'est porte-parole de la police là qui peut. Dis-nous ça matin. Ça n'a pas noté que tu as des rumeurs concernant l'attaque ça qui fait sous Grissier des jours à l'avance. Et comme d'habitude,
nèg yo parler, n'a parlé de nèg exam yo, yo rivé passé sans trop grande difficulté de la parole aux actes. Yo attaqué, réussir de fait. Il y a des milliers de monde guerrier du seul qui soit prend bonne pour yo ou bien qui traverser Léogane qui quittait tout ça ou te possédé même gens ça t'ayé dans mois passé ou dans année passé pour en pile monde qui non série de zones en dans région métropolitaine là nous songer ça qui passé Carrefour nous songer tout ça qui a essayé passer là au niveau de Solino à plusieurs reprises etc. Il y a des monde qui quand même a posé question pour essayer comprendre ça qui passé Grissier. Il y a des gens qui disent tout carrément, ils ont même yo wè toute couleur, celle que vous voyez jusqu'à présent, ils sont obligés de concerter recul pour essayer de comprendre qui s'accrivé Grissier, ça qui passé Grissier, comment ça fait, comment ça passe, etc. Quel que soit ça qui a passé à guerrier du seul, quel que soit Jean, on ne peut pas dire ça qui passé. Bon Green Bay n'a pas retenu matin, c'est le premier gros test terrain. Conseil présidentiel transition. N'a parlé de insécurité. C'est vous qui doit dire pendant que je suis passé là jusqu'à hier soir, il y a plusieurs tentatives qui faites pour prendre contrôle Solino. Mais n'a parlé de commune, n'a parlé de ville. Je dis à la pour moi-même des monde qui prend la rue accompagné nèg examio. Nèg qui quand même en dans structure qui relève vivant ensemble qui t'a manifesté dans objectif pour te dénoncer l'arrivée éventuelle ou prochaine ou bien déploiement éventuel de la mission multinationale de soutien à la sécurité dans pays a et bien dans la nuit de ce même jour dans la nuit du vendredi 10 mai 2024 je nous tout connais, nèg ak gozam fan fwa, ça ne les bandits ont envahi commune Grissier. Et envahi Grissier pas seulement fait acte de présence ou bien pour aller saluer moun yo, c'est pas de saluer mais plutôt c'était quand même pour aller commettre des forfaits. Et j'en connais le tout. Une exaction que nèg ak zam yo rivé commettre c'est attaque yo fait sous commissariat Grissier yo rivé quand même échanger avec les policiers qui étaient présents et selon information officielle yo force l'audio passé près de 2 heures à essayer kimbé face à assaut bandio et après 2 heures de combat policiers t'après désengager ou bien désister et conséquence nèg exam yo té rivé prend contrôle commissariat yo metté du feu la dalle et yo metté du feu tout dans plusieurs véhicules qui té sous la cour commissariat et Jean nous t'attendé dans titre tout à l'heure yo rapporté que nèg exam yo boulé plusieurs cailles parmi yo caille yon nan magistrat assesseur yo parlé de un policier qui t'a blessé sa kote yon quantité moun ki kouri kite la kayo. Nou te wè de videyo kote bandi yo t'ap frape l'estomac yo pou di yo soti gravin et désormais c'est yo même qui contrôle commissariat Grissier et du coup nan même videyo sa yo nou te remarqué de nèg exam ki di yo même yo paré y ap tann blanc. Et en réaction, te genyen des mobilisations qui te fait au niveau de la police nationale d'Haïti. Nous apprenons au niveau du sud-est, au niveau de Léogane, à Claude Zone qui est dans le grand sud là, un peu plus loin. La police était mobilisée pour être capable de venir en renfort à Moun Grissier ou bien policiers Grissier. Qui vient de faire que plus de 24 heures plus tard, la police a annoncé que yo reprennent le contrôle commune Grissier. Bon, reprennent le contrôle avec bien sûr un point d'interrogation. Est-ce que bandi yo just fin boule yo fin krasé yo fin brisé puis yo passé aller et puis la police li même li vini après à travers toutes ces unités spécialisées l'établi quartier général et puis il dit li prend contrôle on sait pas est-ce que t'es gon bataille qui t'est engagé entre les forces de l'ordre et
nèg qui dit yo c'est bandi yo qui te gen temps investi espace là et que la police vient lui sorti victorieuse et pour dire reprendre contrôle infrastructure, on ne sait pas. Mais ça que certains guerriers commissariat boulé et il y a plusieurs véhicules qui sont dans la cour commissariat qui passaient en bas flamme dit fait. Moi fait des échanges avec des monde qui habitaient Grissier, avec des monde tout qui et Carrefour mais qui quand même pas trop loin Grissier, qui expliquait que Johnny jodi a pendant n'a parlé de Grissier n'a souligné que son commune qui pratiquement commencé bord l'eau Carrefour il a fini sur route nationale numéro 2 à zone pont la Féonaille. J'aime expliquer que pour entrer dans sud sud-est grandance ça qui ont parti dans l'ouest là tant qu'on sorti depuis Carrefour il juste petit Gouave c'est ça les régions des Palmes là si la police nationale d'Haïti t'es bien volonté pour te résoudre problème insécurité à camper ça fait bandit dans commissariat sous commissariat dans l'ouest tant qu'on a Carrefour zami a croit que depuis les bouts de bas établi base dina Marianian il était gain temps quand même prendre un bon parti dans Grissier donc la police était doué rapidement renforcer commissariat Grissier ensemble avec commissariat Léogane parce que nèg examio yo commencer prendre territoire yo pas jamais fait bac facilement sinon que yo progresser tôt ou tard et ni quoi renforcer t'a veut dire augmenter effectif là mettez plus matériel, mettez plus équipement, plus moyens à la disposition policiers, que ce soit ZAM, que ce soit munitions, et puis permettre tout, une série de unités qui étaient cantonnées dans la zone ZAYO, que ce soit UTAG, que ce soit UDMO, l'Ouest, et ça n'est pas concret. C'est bien avant là, c'est Grissier qui arrivait quand même en bas contrôle bandit. C'est première commune, première ville, premier gros espace. Et c'est premier commissariat tout guerrier ou souligner ça dans titre. C'est premier commissariat tout qui arrivait attaquer, qui arrivait incendier sous rey conseil transition présidentiel transition. Est-ce que c'est à premier territoire perdu tout sous rey conseil présidentiel transition? On ne sait pas. Maintenant, parlant de conseil présidentiel de transition, nous t'a demandé nous de quel conseil présidentiel parle-t-on? Est-ce que c'est pas conseil qui jusqu'à présent montré que le toujours dans processus pour le chercher l'identité là? Même conseil là pour vraiment reconnaître tête li, voir pour monde t'a reconnaître li. Est-ce que c'est pas conseil présidentiel transition qui quand même vous cap qui peut vous partir réellement? Est-ce que c'est pas conseil présidentiel qui peut jusqu'ici jouer une formule pour gagner confiance population si y a gagner? Est-ce que c'est pas conseil présidentiel qui a l'impression que chaque fois il fait un pas en avant ou bien comme l'impression que vous faites deux en arrière? Est-ce que c'est pas conseil de transition qui montrait que les capables pour attendre ou bien membre au niveau de la structure transitionnelle montrer qu'ils sont capables d'attendre quand il s'agit de prendre un ensemble de grandes décisions? Est-ce que c'est pas conseil quand même qui bon l'impression que vous parti là pour un ensemble de crises, même là où résoudion, on pas aucune garantie que là où pral gain pour prendre l'autre décision que on va faire face à l'autre crise dans l'autre nature. C'est de ça n'a pas. Ce qu'il faut retenir de ce conseil guerrier, c'est que yo rivantan yo notamment pendant commencement week-end là sous désormais comment présidence lui-même l'a fonctionné au niveau de CPTA. Yo officialisé souvle question présidence tonat noté parlé pendant fin semaine qui saute passé là yo gen une résolution
qui sorti, qui signé par 8 membres sur 9 dans conseil là. Nous apprenons qu'il y a un membre qui pas présent, mais 8 monde signé selon ça moins ouais qui arrivé joindre moi là. Côté Antonio guerrier du seul pour effectivement ces 4 candidats, pas candidats, ces 4 conseillers qui arrivé présider conseil là pendant toute période intérimaire là jusqu'à 7 février 2026. Conseil là a gagné président Sayo, n'a balil dans l'ordre successif. Edgar Leblanc fils qui est même à président conseil là selon ça qui dans résolution en sorti 7 mai pour arriver 7 octobre 2024. Smith Augustin 7 octobre 2024 pour 7 mars 2025. Leslie Voltaire 7 mars 2025, 7 août 2025 et enfin Louis Gérald Gilles 7 août 2025, 7 février 2026. Et l'autre décision yo adopté encore guerrier du seul dans résolution 1, yo dit si ça arrive gagner des grandes décisions qu'a prend au niveau du conseil yo pas arrivé joindre consensus dans mitan yo, et bien toute grande décision ça yo guerrier y a prend par une majorité qualifiée de membres en de conseil là. Et qui ça yo les majorité qualifiée à yo même, c'est 7 conseillers sur 7 conseillers votants. Et grande décision ça on a parlé là yo concerné surtout choix premier ministre, membre gouvernement yo, membre conseil électoral provisoire, directeur général yo, dirigeant institution indépendant, ambassadeur, consul généraux, conseil d'administration, ensemble d'institutions, etc. Maintenant, depuis dimanche, CPA a lancé officiellement processus pour joindre un premier ministre. Donc, dans le moment où on a parlé là, le conseil présidentiel là, a cherché un chef fou, un chef gouvernement. Maintenant, il a sorti un communiqué. Et que dit le communiqué du conseil présidentiel ou bien de l'unité de communication de la présidence? Communiqué a parti comme ça. Bureau communication présidence là a informé public là en général ak secteur yo qui forme conseil présidentiel transition hein, parti politique yo ensemble ak l'autre organisation qui adhéré à accord politique pour une transition pacifique et ordonné 3 avril 2024 là en particulier. Conseil présidentiel transition hein, procédé à ouverture officielle candidature pour poste premier ministre dans cadre mise en place gouvernance transition 1. Hein.